Salut à tous et à toutes, c'est Poulop, le professeur de la formation BD sur dessindigo.com, et aujourd'hui, on va voir ensemble quelques pièges à éviter en bande dessinée pour améliorer un peu notre BD et faire quelque chose de fluide et cohérent. Il y a beaucoup de pièges en BD, autant visuellement que narrativement. J'ai ici une petite liste de quelques pièges qui reviennent souvent, hein, que je fais moi-même encore des fois, mais qu'il faut travailler, qu'il faut essayer d'éviter à tout prix. Alors, premier piège qui sera visuel, ce sont les nœuds graphiques et les tangentes. Quand on fait une bande dessinée, alors, on trace des cases hein, qui sont un peu plus droites que ça normalement. Il va y avoir notre personnage, ici. Et il peut arriver que le personnage ait un mouvement qui rapproche sa main ou sa tête ou ses pieds du bord de la case. On crée ici ce qu'on appelle une tangente ou un nœud graphique, c'est-à-dire des lignes qui se rejoignent au même endroit et ou alors qui sont parallèles mais se touchent. Voilà. Donc ce genre de choses, il faut l'éviter parce que à la lecture, c'est désagréable à regarder. On perd un peu en lisibilité. Ça peut être aussi un personnage qui va être collé au bord de la case comme ça. Ou alors un personnage collé à un autre personnage alors qu'il n'est ni devant ni derrière, il est au même niveau de plan. Et tout ça, ce sont des erreurs à éviter absolument, et on peut les éviter assez facilement. Alors comment on évite de faire des tangentes? Pour le cas de la main qui touche le bord de la case, c'est simple, soit on baisse un petit peu la main du personnage, donc au lieu de lever le doigt aussi haut, son bras sera un tout petit peu plus plié, comme ceci. Là, vous voyez, il y a encore quelques millimètres, c'est moins gênant. Ou alors, au contraire, il va lever son doigt plus haut, ce qui va faire qu'il va dépasser de la case. Et là, on peut tricher. On peut tricher en effaçant un petit peu la case. On va briser littéralement le quatrième mur. Et le personnage qui veut montrer quelque chose en l'air fait sortir son doigt de la case. Et vous voyez que la case, je ne vais pas la coller au doigt directement parce que si je colle la case au doigt comme ça, ça restera un petit peu chargé même s'il n'y a plus cette tangente. Donc, on n'hésite pas, on gomme un petit peu la case, c'est pas grave. On pourra toujours fermer la case via la couleur. Et c'est beaucoup plus clair. Voilà, ça c'est pour éviter le premier problème. Pour éviter les autres problèmes comme le personnage collé à la case, eh bien, soit on le décale, soit on le sort directement de la case. Pareil pour le personnage collé à l'autre personnage, soit on le fait passer derrière ce premier personnage, on le fait passer lui derrière, donc il sera franchement derrière au lieu de le coller et d'avoir les traits parallèles et en même temps collés les uns aux autres. Soit aussi on le sort du cadre, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez raconter, de la nécessité d'avoir ces personnages dans la case ou non. Deuxième erreur à éviter, c'est le sens de lecture dans la case et le placement des bulles. Alors, placer du texte dans une BD, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de petites choses à respecter. On va voir ça ensemble sur un nouveau calque. Alors, si je fais plusieurs cases de bande dessinée, comme ceci. Voilà, on va faire quelques cases ici. Voilà. Dans ces cases, on va imaginer qu'il y a des personnages qui discutent. On va les dessiner sommairement, ici. Ici, il y aura deux personnages comme dans la première et un qui se rajoute. Ici, pareil, trois personnages. Et ici, un seul personnage. Alors, imaginons que la conversation commence donc dans la case en haut à gauche. On va considérer ici que le sens de lecture est le sens européen, hein, occidental, parce que si on regarde dans les mangas par exemple, le sens de lecture se fait de droite à gauche. Mais ici, on va faire de gauche à droite et de haut en bas. Si le premier personnage à parler est celui-ci, dans ce cas-là, comme le sens de lecture c'est de gauche à droite et de haut en bas, on va placer la bulle en haut à gauche pour le faire parler, avec la petite queue de bulle ici. Et le personnage qui va lui répondre aura sa bulle ici en haut à droite. Et le sens de lecture sera respecté. Si la conversation continue dans la même case, on va placer la bulle suivante ici, et celle d'après encore ici.
Il faut faire attention à ne pas surcharger les images de bulles. Le mieux, c'est de faire de petits blocs de texte, quitte à découper un gros bloc de texte en deux ou trois petits blocs. Ça, ce n'est pas embêtant. Ou alors, pour décharger un peu le texte, on rajoute des cases, on découpe en plus de cases la planche pour pouvoir caser tout le texte sans que ça ne gêne trop le dessin. Donc, une erreur à éviter, c'est au contraire de faire parler le premier personnage qui est à droite. On essaie toujours de faire parler le premier personnage à gauche, parce que si c'est le personnage de droite qui parle en premier, on va avoir envie de mettre la bulle ici. Or, là, ça va porter à confusion, c'est-à-dire que si on veut suivre le sens de lecture, on a dit la première bulle de dialogue est ici et on va la relier à ce personnage-là. Le personnage qui va lui répondre aura sa bulle ici et la queue de bulle ici. Vous voyez que ça se croise et que à la lecture, ça devient un peu brouillon. Donc il faut se débrouiller un peu pour mettre en scène tout ça correctement et avoir le premier personnage qui parle à gauche et celui qui lui répond à droite. Quand ce n'est pas possible, on essaye d'adapter. Par exemple, on va jouer sur la hauteur. Le personnage de droite va dire une première chose ici. Le personnage de gauche pourra lui répondre ici. Au lieu de jouer sur la gauche et la droite, on va jouer sur le haut et le bas. Dans une case où beaucoup de personnages dialoguent, c'est pareil, c'est exactement la même chose. La première bulle sera ici, la deuxième va être là, peu importe qui parle, on va les placer déjà, la troisième bulle ici. Et on peut imaginer d'autres bulles ici ou là. Alors bien sûr, là, il y en a trop hein, dans l'exemple que je vous montre, mais c'est pour vous montrer un peu où peut se faire le placement des bulles. Le personnage à parler en premier, il vaut mieux, dans ce genre de scène, que ce soit vraiment celui à gauche. Parce que si on commence à faire parler celui du milieu, puis celui de droite, puis celui de gauche, on va vite se mélanger, sans mêler les pinceaux, et ça va se voir visuellement. À part si c'est le but de votre BD, où ça peut créer un effet comique. Mais pour une BD normale lambda, on va essayer de respecter tout ça. Attention donc à l'ordre des bulles, le placement et les queues de bulles aussi qui doivent se référer au bon personnage. Une petite technique pour faire parler un personnage un peu plus que les autres, c'est de rajouter une bulle dans la case. Et au lieu d'avoir une queue de bulle de chaque côté, on va avoir la queue de bulle sur une seule des deux bulles, mais les deux vont être reliées. Alors l'exemple que je vous montre là n'est pas forcément le meilleur parce que vous voyez que la reliure des deux bulles coupe l'image en deux, mais ça peut fonctionner sur un placement un peu différent des bulles. La première bulle ici, et une petite bulle pour compléter ici. Vous voyez, il y a une seule queue de bulle. Les deux là sont reliés ici. Ou alors, on peut, à l'inverse, faire la queue de bulle sur la deuxième et laisser la reliure entre les deux bulles. C'est à vous de voir. Il faut vraiment choisir la méthode la plus lisible pour le lecteur. Si vous n'êtes pas sûr, faites lire votre BD à quelqu'un de votre entourage et vous verrez vite, de toute façon, s'ils comprennent qui parle dans la BD facilement ou non. Un autre piège à éviter en bande dessinée, c'est la taille des personnages des uns par rapport aux autres. Alors, comment on va voir ça? Si vous faites une bande dessinée où il y a un personnage assez massif, comme un ogre ou un grand personnage tout simplement, et un personnage un peu plus petit à côté. C'est un peu le modèle de Astérix et Obélix, hein. Il va falloir faire attention dans la BD à toujours respecter la taille de l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que si dans une autre case, on se retrouve avec le petit personnage qui soudain fait cette taille-là, le lecteur s'en apercevra et se demandera pourquoi le personnage a changé de taille d'un coup comme ça. Donc attention à la taille des personnages, à leur corpulence des uns par rapport aux autres, parce que ici, par exemple, le personnage le plus gros pourrait porter l'autre sur ses épaules comme un enfant, mais si le personnage le plus petit change de corpulence, ça va faire bizarre au moment où il l'aura sur les épaules si vous lui faites une taille différente de la première fois. Et ça va être d'autant plus bizarre s'il y a d'autres personnages avec des tailles encore différentes, quand vous allez tous les mettre dans la même case, vous verrez que ça créera de la confusion chez les lecteurs et même chez vous en dessinant. Une autre erreur à éviter, c'est la faute de perspective. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des perspectives tout le temps parfaites. Ça, ce n'est pas obligatoire. Mais
il peut arriver qu'on fasse des erreurs de perspective assez évidentes, mais qu'on ne voit pas du premier coup d'œil. Si par exemple, je dessine un cube de cette manière-là, vous verrez directement que ce cube ne va pas, parce que ce côté-là est beaucoup plus fin que ce côté-là, et normalement, mon cube devrait être plutôt comme ça. Alors, quand c'est juste un cube, ça se voit facilement, mais si vous dessinez par exemple une chaise, que je vais faire en perspective ici, il est assez facile de se mélanger les pinceaux dans cette chaise. Là, par exemple, il y a une erreur de perspective dans cette chaise. Comment est-ce qu'on peut voir ça? C'est que la distance entre ces pieds-là est plus réduite que la distance entre ces pieds-là. Alors, comment on règle l'erreur? Eh bien, on refait. On essaye de refaire le dessin ou de gommer et de faire du petit à petit, hein, d'essayer de réduire la faute. Donc ici, on va mesurer à peu près la distance entre ces pieds-là, mais aussi la distance entre ces pieds-là. Et on va essayer de reporter la chose au pied arrière de la chaise, ici. Là, on voit que, par exemple, la distance est encore un peu grande ici par rapport à la première. Donc, je vais gommer et je vais rapprocher le pied légèrement. Ça va le cacher derrière ce pied-là. Donc, on va l'ombrer. Et là, on a des pieds de chaise un peu plus justes au niveau de la perspective. Ça marche aussi quand vous faites une perspective sur les visages des personnages, mais ça, j'en parle un petit peu plus dans la formation BD sur dessindigo.com. Enfin, dernière erreur que je vous présente aujourd'hui, c'est le fait de faire trop de cases sur une même planche de BD. Alors, on va dessiner ce qui s'apparente à une page de BD. Ça, c'est votre feuille, A4 ou A3. Dans une page de BD, on essaye de rester à 6, 7, 8, 9 cases, voire 10, pourquoi pas, mais évitez de faire vraiment trop de cases de bande dessinée, parce que vous allez voir que ça peut vite devenir très très chargé si vous décidez d'en faire beaucoup. Là, je vous fais l'exemple typique d'une planche de BD beaucoup trop chargée. Alors même si les cases sont variées et dynamiques et tout ce genre de choses, vous verrez que plus il y a de cases, plus ça va charger le visuel et moins ça donnera envie de lire au lecteur, tout simplement. Donc ça, par exemple, c'est un modèle à ne pas suivre. Là, on a combien? On a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, on a 15 cases dans la page. C'est trop. C'est bien trop. Si on voulait améliorer ça, il suffit de revoir le découpage. Alors, c'est là qu'il faut vous référer au schéma narratif et au découpage scénaristique que j'évoque dans la formation BD, pour redécouper tout ça, enlever quelques cases, simplifier la narration, ici et là, et vous vous retrouverez avec un nombre de cases acceptable et une narration beaucoup plus fluide à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, il y a encore trop de cases, vous voyez. Hop, on en enlève une ici. On va pouvoir en enlever une là. Et là, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on a 9 cases, ce qui est à peu près la limite haute. Donc c'est acceptable. Par contre, une autre erreur que je suis sur le point de commettre, quasiment, c'est de répéter le même schéma à chaque ligne de case. C'est-à-dire que là, on a une case large et une case plus courte. Une case large et une case plus courte. Une case large et une case plus courte. On essaye de varier ça, en fait. Si la première ligne présente une case large et une case plus courte, et bien dans celle d'après, s'il y a aussi une case large et une case plus courte, on peut les inverser tout simplement. La case courte vient se poser ici et la case large ici. On évite comme ça un effet de répétition géométrique et c'est beaucoup plus agréable à regarder. Voilà pour les quelques erreurs dans la BD que je voulais vous présenter. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à la partager pour la montrer aux gens que vous connaissez qui dessinent aussi pour leur éviter ces erreurs-là. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !